madame, mais... En fait, papa, il a rendez-vous juste à côté. Donc du coup, on en profite. Viens, passe là. Si t'arrives à passer. Oh, si j'y arrive, t'y arriveras aussi, normalement. Attention, tu te faufiles comme ça. C'est bien, mon loup. Attention, il y a des cactus, là. Hein. Te fais pas piquer. Je me moque de toi. Gentiment, mais quand même, je me moque. Comme quoi, il n'y a pas que des cactus qui piquent. Je sais que t'es pas content. J'en aurais bien besoin d'un nouveau comme ça, un vaporisateur, mais ça attend. Maman, oui. Ok, il manque d'eau, non? Ouais, manque d'eau, effectivement, mon cœur. Mais on peut rien faire, il n'y a pas d'eau dans les pchits, ils sont vides. Malheureusement, on peut pas faire grand chose, mon bébé. Je peux pas te dire mieux. Viens voir Abel. T'as vu cette plante? Elle fait des fleurs de fou, hein? Tu trouves pas? Oui. Le miel est vraiment pas très beau. Je me demande si un jour je craquerai pas. Je vais en reprendre un au cas où. Viens avec maman. Pourquoi tu veux pas aller avec papa? On va peut-être te montrer des trucs plus sympas que des plantes pour toi. Mais non, une personne qui ne bloquait pas ça. Oh, mon petit loup, t'as bloqué le passage carrément. Pas sympa. T'es pas perdu, chérie, tu peux le rejoindre. De quoi je peux revendre? Tu peux rejoindre papa, revendre direct. Bon, je t'accompagne. C'est bon, j'y retourne. Des mini caladiums rikiki. Mais quand je vous dis petit, vous avez déjà vu des caladiums aussi petits? Regardez-moi ça. Trop mignon. 4,95. Oh, c'est trop mignon ça. Pareil, 4,95. Mais c'est là aussi qui se cache. Petits bébés plantes qui sont cachés un peu partout, trop mignons. Ça c'est des Marble Queen. J'aimerais bien trouver un bien blanc, un snow, mais je vous le dis à chaque vidéo. Et là des petits syngoniums avec les dames roses là. Je n'ai jamais repris les basiques comme ça, faudrait un jour. Le mélano qui se balade. Mignon ça. Orchidée, trop beau. Pourtant c'est pas mon truc les orchidées. Hein. Il reste une petite platinium à 60 euros. Et celle-ci, je sais plus son nom. Oula. Non, je sais plus son nom. Je ne sais plus. C'est trop mignon, ça en dirait un érable. Pff,
pourquoi à chaque fois que je vois des classiques comme ça, j'ai envie de les racheter. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Faut que j'arrête, hein. Bonjour. La nana qui est accro au pothos classique, au néon surtout. Regardez-le. Il est à 4,99€, il a une grande liane. J'adore. J'adore quand ils font des lianes. Genre, j'ai envie de craquer, de me le prendre. C'est débile, j'en ai un, mais il est vraiment beau. Donc, je pense que je vais craquer. Ils sont trop bien parce qu'ils font directement une liane. Et du coup, oh, celui-là, il est encore plus garni. Pareil. 4,99€, j'aime trop. Je vais m'en reprendre un. Même si j'en ai un. Oh, va, tu peux pas prendre ça. Genre, tu en as pas de celui-là. Ce serait plus logique de prendre ça. Je l'ai pas. Vous voyez? Le Sindep Sauce. Il n'y a pas le nom, mais c'est un basique. Mais attention, parce qu'ils font des lianes. Faut pas les laisser traîner parce que quelqu'un va marcher dessus. Ah non, regardez, c'est qu'il est déraciné. Enfin, il n'est pas déraciné, mais il est... le pied n'est plus dans la terre. Voilà. On ne veut pas que quelqu'un marche dessus. Alors. Normalement, je vais craquer. Je pense que je vais me prendre une branche de pothos néon à 4,99€. Et je pense que je vais me prendre aussi celui-là. Voilà. Ce qui ne sert à rien, mais je ne l'ai pas celui-là. Donc au moins... je sais pas, j'ai un gros doute. Je vais faire le tour, je les laisse là. Ah, il reste le Gloriosum, il est toujours là. Les Verrucosum aussi. Ces petits Syngonium là. Wetlandy, je crois que ça se dit comme ça. Belle petite cuculata. Et elle, est-ce que je vais finir par me la prendre? Elle est vraiment belle, hein. Regardez la taille des feuilles par rapport à ma main. Depuis le temps que je vous en parle, j'ai peur de la tuer. Et pourtant, quand je vois comment vous les bouturez en coupant des feuilles en deux, je me dis, mais zut, quoi. Quand la mienne est morte, j'aurais pu la bouturer 20 fois. Et je ne l'ai pas fait. Bon, il reste un Gloriosum pour ceux qui veulent. Deux. Deux, il en reste. Ces petits Syngonium. Ah oui, je ne l'ai pas craqué, mais j'ai une petite bouture qui me fait quelques petites feuilles. En plus, il n'est pas trop cher. 32€, il y en a pas mal dedans. Vous savez ce que j'ai envie de trouver? J'ai envie de trouver des chaînes de cœur, comme la chaîne de cœur Variegata que j'ai vue hier, que j'ai mis dans ma vidéo Jardiland Arting. J'ai envie de trouver la même, moins chère si possible. Putain, c'est trop bien ça, le coin des bonnes affaires. Quand il y a des plantes abîmées en PLS et tout, ils les mettent à prix hyper réduit. Je trouve ça trop cool, quoi. Ça, c'est cool de faire ça. Parce que franchement... jeter, c'est trop dommage. Et eux, ils laissent une chance aux plantes. Et moi, je trouve ça trop cool. C'est pas partout, hein, que vous trouvez ça. Le basique Astatum Silver Sword, qui est magnifique. C'est un petit cactus. Euphorbia. Meloformis variegata. Eh mais c'est trop mignon. Et j'en ai jamais vu ailleurs hein, pour l'instant. Trop mignon, non ou pas? Ça c'est le prix, 19,99€. Attendez. C'est ça, 19,99€. Il est trop beau si vous en voulez un. Il y en a plusieurs. Trop beau. Il reste des petites orchidées des bijoux. Des petits litops. Trop beau, un petit cactus variegata, quoi, trop mignon. On l'avait pas vu depuis un moment. Et il reste des virus cosum à 49,99€. Trop beau.
Est-ce que j'achète un truc en basique? T'en as marre, t'as regardé les animaux, t'as vu des trucs à Bâle? Il y avait des animaux? Oui. Il y avait quoi? T'as vu quoi? Maman, est-ce que t'as tes sous? Oui. Tu veux des sous? Non. Pourquoi tu veux des sous? T'as vu quelque chose qui te plaît? Non, mais je veux un. Non, mais les couleurs. Quoi? Les couleurs. Celle-ci elle est dans les tons orange, celle-ci elle est dans les tons jaune, il y a vraiment des couleurs. Je suis pas succulente heureusement parce que ce serait le moment où j'aurais craqué. Bon mais je pense que j'ai vu tout ce que je voulais vendre les gars. C'est bon, on peut y aller les garçons. Il dort comme il a jamais dormi lui. Il vit sa meilleure vie ton petit frère là dans la poussette.